Bonjour à tous. Voici une biographie qui, vous le noterez facilement, n'a absolument aucun rapport avec la situation que nous vivons actuellement. Vous jugerez-vous. En 1905, le pape Saint-Pie-X songe, à l'évêque de Belley, Monseigneur Louis Luçon, pour succéder au cardinal Langeigneux, archevêque de Reims, récemment décédé. Le candidat, Monseigneur donc Louis Luçon, oppose toutes les objections possibles à cette promotion et court à Rome exposer de vive voix sa détermination à décliner ce grand honneur. Il estime qu'il est incapable de porter comme il convient la charge d'une telle responsabilité. Cher fils, lui dit vivement le Saint-Père, ce n'est pas seulement à l'honneur que je vous envoie, mais à une croix. Et non seulement à une croix, mais à une multitude de croix. Rien ne prédestinait Louis Luçon, un enfant timide, malingre, maladroit, souvent malade, à une charge ecclésiastique aussi lourde que glorieuse. Il la portera pourtant longuement et à l'honneur de la Sainte Église. Louis Luçon est né le 28 octobre 1842 à Maulévrier, dans le diocèse d'Angers, près de Cholet. Son père exerce la profession de tisserand. La famille vit pauvrement dans la ferme du château des Colbert. Enfant pieux et studieux, Louis manifeste une vive intelligence. Après lui avoir fait faire sa première communion, son curé discerne en lui les signes d'une vocation. L'enfant est inscrit au collège municipal de Cholet, alors dirigé par des prêtres. Malgré sa santé précaire et un régime de vie rigoureux, ses années scolaires lui sont profitables. Et, en octobre 1857, à l'âge de 15 ans, il rejoint le petit séminaire de Montgazon, près d'Angers. Il y achève, non sans mal, ses classes de rhétorique et de philosophie interrompues par de fréquents séjours à l'infirmerie ou dans sa campagne natale. En 1860, à l'âge de 18 ans, il entre au grand séminaire d'Angers. Son directeur spirituel le soumet à un régime de repas, promenades et ménagements appropriés qui pallie son état de santé déficient. Donc, un directeur spirituel qui sait que mens sana in corpore sano. En 1864, Louis reçoit le sous-diaconat et, nommé précepteur du fils du vicomte de Chabot, il s'adonne avec soin à sa tâche d'éducateur. Ordonné prêtre par l'évêque d'Angers le 23 décembre 1865, à l'âge donc de 23 ans, l'abbé Luçon devient vicaire à Saint-Lambert-du-Latay. Il s'efforce de réaliser l'idéal du prêtre tel qu'il le conçoit et qui le définira plus tard du haut de la chaire de Notre-Dame de Paris, à l'occasion des obsèques du cardinal Richard. Je cite cet extrait de son sermon. Sans doute, dit-il, le prêtre doit être de son temps pour en connaître les erreurs et les réfuter, les besoins et y pourvoir, les souffrances et y remédier, les injustices et en préparer la réparation. Oui, il doit adapter toujours aux besoins du temps où il vit les moyens d'action de son apostolat. Soyons de notre temps, mais n'oublions pas qu'il y a une chose qui est et doit rester de tous les temps, la sainteté de vie. Seule la sainteté peut concilier au prêtre la confiance des peuples si elle lui manque, si seulement on le soupçonne de n'être pas ce qu'il doit être. Ni la science, ni les procédés modernes, ni les œuvres elles-mêmes n'empêcheront la confiance de s'éloigner de lui. Au contraire, il devra toujours le meilleur de son prestige à la sainteté. En 1869, Monseigneur Frépel, un Alsacien au fort tempérament, est nommé au siège d'Angers. Frappé par l'étendue des connaissances et la solidité du jugement de l'abbé Luçon, il lui fait passer une licence en théologie, puis l'envoie à Rome obtenir un double doctorat en théologie et en droit canonique. Trop modeste, Louis y part sans enthousiasme. À Rome,
Sa santé se consolide. Monseigneur Frépel le destine ensuite à l'enseignement du droit canonique, à la faculté libre de droit qu'il vient de fonder. Mais l'humble prêtre lui fait respectueusement quelques objections. Fâché, l'évêque qui n'admet que l'obéissance immédiate, le nomme curé de la Jubaudière, simple succursale rurale de 700 âmes environ, située dans l'ancienne Vendée militaire. La paroisse comprend de nombreux hameaux difficiles à desservir. L'accueil spectaculaire des Jubaudois est pour l'abbé un encouragement. Une foule de jeunes gens à cheval vient à sa rencontre pour le conduire au bourg ou le maire, et de nombreux paroissiens lui souhaitent la bienvenue autour d'un feu de joie. Comment, écrira-t-il plus tard, un prêtre n'aimerait-il pas une paroisse où l'on témoigne pour son caractère tant de respect et pour sa personne tant de bienveillance? Devenu plus tard évêque de Belley, il fera l'éloge de ses chrétiens lors de la consécration en sanctuaire de l'église du Pin en Mauges, en l'honneur des Vendéens martyrs de la Révolution. Il dira « Le Vendéen aime sa religion ». Il s'en est fait la plus forte et pour ainsi dire, la seule habitude de sa vie. Elle a chez lui le sérieux, aussi bien que la solidité du granit sur lequel il habite. Formé à la rude école du Père de Montfort, il aime les dogmes sublimes de la foi catholique, l'austère morale de la croix. Les bienfaisantes consolations de la religion de Jésus-Christ vont à son cœur. Il aime ses prêtres et le suprême honneur qu'il ambitionne pour ses fils, c'est le sacerdoce. Toute la famille s'estime honorée de compter quelqu'un de ses membres parmi les ministres de l'autel. Louis Lusson se dévoue avec zèle au service de ses paroissiens. On le rencontre la nuit, dans les mauvais chemins creux, sous une pluie battante, sa soutane relevée, avançant au milieu des ornières pour porter les sacrements aux mourants. En 1883, la cure de Cholet, la plus importante paroisse du diocèse, est vacante. Monseigneur Frappel la confie à l'abbé Lusson et pour mieux lui témoigner son estime, vient l'installer lui-même. Le curé précédent avait entrepris de reconstruire son église et créer des œuvres importantes. En arrivant, l'abbé Lusson trouve une situation financière en mauvais état. Il est tenté de se décourager et de tout quitter pour se faire moine, un petit peu comme le curé d'Ars, hein. Mais le souci de remplir dignement ses obligations le porte à se ressaisir. Il s'attelle à l'achèvement du chantier de l'église Notre-Dame de Cholet. À l'écoute de tous, il assiste aux réunions des nombreuses œuvres de cette paroisse, discute les décisions, s'intéresse aux chiffres. Son attitude souriante et si correcte en impose à son auditoire qui ne peut s'empêcher d'admirer la patience et la courtoisie du nouveau curé. Avec son exquise sensibilité et sa bonté, il parvient en quelques mois à conquérir ses paroissiens. Il parle simplement, comme un père à ses enfants, et dans ses entretiens, son âme devient transparente. On en voit jusqu'au fond la franchise et la spontanéité. Lors des grèves des ateliers de tissage du Choletais en 1887, des milliers d'ouvriers sont réunis. Le curé, interpellé, sait trouver les mots justes et parvient à concilier les intérêts en cause pour le meilleur profit de tous, ouvriers et patrons. Cette même année 1887, pour remercier Mgr Frépel d'avoir rendu un service au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, qui ne s'appelle pas Castaner mais Spuller, n'est-ce pas, lui demande de présenter 3 candidats de son choix pour le siège épiscopal de Belley, alors vacant. Le curé de Cholet figure en 3e position dans la liste de Mgr Frépel avec cette note. L'abbé Lusson est un de ces prêtres éminents qui ne désirent rien tant que de rester au second rang, bien qu'étant fait pour le premier, et auquel leur modestie fait dire volontiers « Je suis le dernier dans la maison de mon père ». Le choix du ministre se porte sur Louis Lusson, qui paraît au ministre plus conciliant. À cette nouvelle, l'élu est catastrophé. Son confesseur l'exhorte à la soumission et lui conseille d'aller voir le ministre. Spuller, républicain imbu de principes régaliens, voit entrer dans son cabinet un jeune prêtre intimidé à qui il développe une théorie sur les droits de l'État et les devoirs des évêques.
Un instant, il croit avoir amené le prêtre à ses vues. Excellence, répond celui-ci, je n'ai pas désiré l'épiscopat. Je ne suis même venu à Paris que pour me soustraire à cet honneur. Si je suis contraint de l'accepter, je veux que vous sachiez quelle sera ma ligne de conduite. Tant que les droits de l'État pourront se concilier avec ceux de l'Église, je me montrerai comme je dois l'être, bon citoyen, bon français. Le jour où l'Église et l'État seront en désaccord, je serai du côté de l'Église et je demeurerai inflexible comme une barre de fer. Mécontent, le ministre veut l'écarter, mais Monseigneur Frépel lui répond : ainsi, on dira qu'un petit curé a triomphé d'un grand ministre. Piqué au vif, le ministre signe la nomination. Et le 8 février 1888, année de la mort de Saint Jean Bosco, 1888, l'évêque d'Angers confère la plénitude du sacerdoce à l'enfant de Maulévrier en l'église Notre-Dame de Cholet. Monseigneur Luçon prend pour blason l'agneau pascal et pour devise in fide et lenitate, dans la foi et la douceur. En 1901, on saute quelques années, hein, pour remplacer les congrégations religieuses enseignantes supprimées par la loi, pas mauvais de se le rappeler, la loi française n'est pas toujours favorable à la diffusion de la foi, n'est-ce pas ? Monseigneur Luçon fonde des écoles libres dans son diocèse. Il se consacre également avec zèle à la préparation du procès de béatification de celui qui est alors le vénérable curé d'Ars, puisque la paroisse d'Ars est dans le diocèse de Belley. La béatification du fameux curé a lieu le 8 janvier 1905. Monseigneur Luçon fera à plusieurs reprises le panégyrique, du bienheureux curé d'Ars. Il reviendra même pour cela à Belley en 1908, alors qu'il sera depuis 2 ans archevêque de Reims. Il dira « Reportez-vous par la pensée à l'époque où notre bienheureux exerça le saint ministère dans cette paroisse d'Ars. On répétait sur tous les tons que tout se borne pour nous à la vie présente, que la croyance à une vie future est une chimère, que la fin de l'homme est le plaisir, que l'homme d'aujourd'hui doit demander le bonheur à la science, que la science, enfin, doit prendre la place de la religion. Qu'en est-il résulté ? Méconnaissant le vrai sens de la vie, les hommes de notre temps bornèrent leurs pensées à la vie présente et au bien de la terre. Le curé d'Ars tourne les âmes désabusées vers le seul bien véritable. En dehors de Dieu, voyez-vous, il cite là le curé d'Ars, hein, en dehors de Dieu, voyez-vous, rien n'est solide, rien, rien. Si c'est la vie, elle passe. Si c'est la fortune, elle s'écroule. Si c'est la santé, elle est détruite. Si c'est la réputation, elle est attaquée. Ah, mon Dieu, qu'ils sont à plaindre, ceux qui mettent toutes leurs affections dans ces choses. » Et ayant cité donc ainsi le curé d'Ars, Monseigneur Luçon conclut, « Aimer à servir Dieu, nous n'avons que cela à faire en ce monde, tout ce que nous faisons hors de là, c'est du temps perdu. » La suite de cette belle vie, demain, d'ici là, bon mois de mai, bon mois de Marie.